Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière parce qu'elle va parler de l'après Mad Max. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a un jeu déjà en fond, en image. Donc, qu'est-ce qui se passe après Mad Max, je ne savais pas trop ce que je devais y mettre. J'y ai donc mis déjà une vidéo que j'ai tournée, qui est donc une découverte, une deuxième découverte sur un deuxième MMO, avec quelques suites à cette vidéo découverte sur le deuxième MMO. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la chaîne? On a du FPS compétitif, on a du RPG, on a du MMO, on a de la simulation, on a de la course, on a de l'indépendant, on a du survival. Bon, qu'est-ce qui nous manque techniquement à la chaîne? Il nous manque du point and click et un petit peu de réflexion. Comme vous pouvez le voir en fond, il y a Hercule Poirot, donc The ABC Murders, donc d'Agatha Christie, qui sont donc un des prochains jeux à sortir. C'est un point and click, nécessitant de la réflexion, un petit peu à la manière de certains Sherlock Holmes. L'objectif du jeu, c'est de réaliser 3 enquêtes, d'après ce que j'ai compris. L'univers graphique me plaît beaucoup, à vrai dire. Ce qui se passe, c'est qu'on m'a proposé, de faire ce jeu via Gamesmith.com, qui recherche donc des let's players dessus. Et à des clés, donc en fait, à fournir avant la sortie officielle du jeu pour donner faire une certaine promotion en fait. Et je dois vous avouer que, écoutez, c'est ce qui nous manque sur la chaîne. On n'a pas trop de jeux de réflexion. L'univers graphique me plaît. Il y a possibilité de se marrer avec cette espèce de dessin et surtout de faire des conneries, hein, parce qu'à mon avis, on va se planter. Hein. J'ai pas une super réflexion, je suis pas un super enquêteur de la mort qui tue. Mais bon, pour moi, il y a possibilité de se marrer. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à commenter à ce sujet. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.